bienvenue sur Je mange bien. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le petit bouton rouge. N'hésite pas également à activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et cette semaine, on va faire un petit atelier cuisine avec Lissana et Athénaïs. On se retrouve en cuisine. À tout de suite. Et tout de suite. Au revoir. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui? Des gâteaux. Des gâteaux. Ouais, on va faire des petits sablés. Des sablés. Ouais. Des sablés. Et qu'est-ce qu'on fait avant de cuisiner? On se... nettoie les mains. Allez, c'est parti. Nettoie les mains. Les mains sont lavées, le tablier est mis. Qu'est-ce qu'il nous faut après? Il faut installer les trucs qu'il faut pour les gâteaux. Ouais, c'est-à-dire les uns. Les ingrédients. Exactement. Et après, on va faire la pâte. Qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? De l'œuf. Alors, qui c'est qui va chercher un œuf? De la farine. On peut mettre vanille, citron, cannelle. De la vanille. Vanille? Ouais. De vanille. Vanille, ok. On va sortir l'extrait de vanille alors. C'est quoi? Elle est où? Je vais la sortir parce qu'elle est trop haute. Et après, il nous faut des ustensiles. On a tous les ingrédients, on a tous les ustensiles, on va pouvoir commencer. Oui. Alors, il va falloir peser 150 g de farine. Qui c'est qui allume la balance? Moi. Nanou, t'allumes la balance parce que moi je vais mettre la farine. Allume la balance, Bichette. Si, Nanou. Tu vas mettre la farine. Tu mets le saladier dessus, Bichette? Et après, Nanou l'appuie au milieu. Et quand c'est à zéro, tu peux commencer à peser. Et à zéro. Donc il faut 150 g de farine. Il faut un 1, un 5 et un 0. Maman va quand même veiller, t'inquiète pas. Il va falloir peser le beurre. Le beurre, c'est qui? Nanou. Nanou, tu attrapes le beurre, ma biche? Attends, je vais chercher le beurre. Ah, je sais pas. Alors, t'as bien ouvert, Bichette? Faux. Attends, mon chat. Lissana, t'appuies au milieu, ma biche, pour mettre la balance à zéro. Attends, mon petit chat. Maman essaie d'attraper le papier. C'est que je tiens le téléphone en même temps. Voilà. Alors, attends, je réfléchis. 25, 5, là, je pense que là, ça doit être pas mal. Vas-y, appuie fort. Je t'aide un petit peu, Nanou. Ouais, appuie là. Ouais, super, stop. Nanou, tu poses dessus? Attends, laisse-la faire, Bichette, laisse-la faire. Tu as fait la farine, laisse-la faire. Ah, bah, non, on a un tout petit peu trop. Bon, à 5 grammes près, on est bien. On va le couper en petits cubes, le beurre. Vas-y, coupe-le en petits morceaux. Comme ça, là. Tu le coupes en petits morceaux. Ouais. Comme ça? Ouais, comme ça, c'est très bien. Je le mets dessus? Pour l'instant, tu peux le laisser sur la table. Mananou, toi, tu vas peser le sucre? Ok. Maman va donner un saladier. Hop, ça, voilà. La balance, tu la remets à zéro, mon petit chat. Okay. Maman va donner une cuillère. Et pour le sucre, on va en mettre 75 g. Maman, elle va te dire quand ce sera bon.
J'attrape une cuillère. Tu me files pas? C'est mon chat. Tu me filmes pas? Si, en même temps, Michette, tu es juste à côté, donc je te vois. Tu me dis si c'est pas assez ouvert grand, je vais très vite, hein. Regarde. Attends, Nanou, je vais ouvrir plus grand. Ça va coincer. Attends, bouge pas. Maman, elle va prendre le ciseau, je vais ouvrir. Il est bien, maman. Comme ça, c'est très bien, Michette. Papa. Voilà, super. Ou encore mon petit chat. Oui. Je vois pas, Michette. Ouais, si, c'est bien, ouais. Comme ça. Ouais, c'est très bien, Michette. Je vais couper un peu plus. Encore mal au toit, encore. C'est trop bien le cuisinier. Tu fais tout doucement, Bicha? Alors, on va commencer par des bras costauds parce qu'il va falloir malaxer. Moi. Donc Lilia va commencer, puis Nanou elle finira. Ok? Donc on met, voilà, t'as compris, le beurre. Nanou, tu attrapes le sel là-bas, s'il te plaît, mon petit chat? Ok. Touche, attends, oui. Je viens de voir qu'il était trop loin. Je mélange avec tes mains. Alors attends, Bichette. Là, on a mis le beurre, il faut mettre une pincée de sel. Une pincée, Manonou. Alors c'est quoi une pincée? Tu te rappelles ce que c'est une pincée? Oui. Okay. Ouais, c'est ça. Et tu mets dedans. Voilà, on fait une autre pincée parce que tu as des petites pincées. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Alors attends, et on va mettre l'arôme de vanille. Est-ce que tu arrives à l'attraper, l'arôme de vanille, mon petit chat? Oui, moi, super. Le mettre. Tu veux le mettre? Est-ce que tu laisses Lily faire? Mais Nanou mettra à l'œuf du coup après, là. Mais Nanou, fais attention. Attends, dans l'autre sens, Bichette, sinon ça risque. Ouais, Lily a raison, ça risque de couler si tu. Attends, c'est un gros trou. Lily, elle ouvre et tu lui passes. Tout doucement, voilà. Okay. Je tiens la cuillère. Une cuillère à café, Bichette. Hein. Hop. Oh, un tout petit peu encore. Oh non, comme ça, tu mets comme tu veux. Plus. Voilà, super. Tu veux la vider, Nanou? Oui. Vas-y. C'est un peu collant. Mais tiens la cuillère, mon chat. Je la lâche. Voilà. Je vais mélanger avec mes mains. On va mélanger avec les mains. On va mettre les mains là. Tac. C'est moi. Donc, ouais. Donc là, on est bon. Vas-y, tu peux malaxer. Je crois qu'on a oublié un truc, on a oublié le sucre. Hein. Oui. T'as Nanou, tu mets le sucre avec la farine, Bichette? Mets le sucre. Là, regarde mon chat. Je viens de voir qu'on a laissé le. Non. Le contraire, Bichette. Le petit saladier dans le grand, Bichette. Voilà. Merci. Super. Je peux mélanger? Ouais, mon chat, vas-y, mélange. Dis-moi. Bah, délicatement, Bichette. Ce serait bien. Donc c'est de la pâte sable, il faut que ça fasse comme du sable à la fin. Je vais essayer à faire comme si c'était du sable. Et après je vais passer à Nanou que ce sera plus dur. Attends Nanou, attends. Faut pas être pressé parce que quand on fait un gâteau, il faut pas aller très vite quand on cuisine. Il faut pas aller très vite parce que sinon on fait n'importe quoi. C'est ce qu'elle dit quand je travaille à l'école. Alors, il faut pas aller trop vite hein, à chaque fois. C'est bon! Nanou, elle veut un petit peu faire. Tu laisses un petit peu faire à Nanou, Michette? Bon. Si tu les laisses, il faudra que tu ailles les nettoyer après, Michette. Donc, tu repasses au lavabo, Michette. Tu crois? Vas-y, tu malaxes, comme Lilia faisait. Tu continues. Lilia, elle a fait le début, toi, tu fais la suite. Voilà. Super, Manonou. Alors, il en est où ce sable? Ah, bah écoute, c'est pas trop mal ça, sinon. Si, on a du joli sable là. C'est encore dur. Ah, bah on a du joli sable, les filles, vous avez mieux bossé. Merci. Bon, qui c'est qui rajoute l'œuf? C'est Nanou qui casse l'œuf? Moi. Il y a qu'un œuf. Donc, il y en a une qui va casser l'œuf et l'autre qui va mélanger le plat. Moi, je vais mélanger.
Nanou, Nanou, par contre, il faut que casser dans... Ouais, vas-y. Casse là. Voilà. Voilà, tac. Écarte. Et moi, je vais faire voilà, comme ça. Et toi, tu malaxes. Vas-y, ma bichette, c'est parti. C'est bon, je vais. Vas-y, mon petit chat. Ça colle un petit peu beaucoup, je trouve, même. On va rajouter un petit peu de farine. Donc voilà, nous, on a rajouté un petit peu de farine. J'ai dû rajouter quoi? L'équivalent de 2 cuillères à soupe, je crois. Ouais. Parce qu'il faut vraiment que la pâte... Parce que nous, c'était vraiment collant. Nous, il va falloir qu'on laisse reposer la pâte, mon petit chat. Vas-y, je laisse un petit peu la manipuler, si tu as envie. C'est bon, Annie? Colle. Super, attends, chouette. Voilà, attends. Je monte. Oui. On va faire la boule. Je fais juste la boule. Donc, voilà notre boule de pâte. On va la recouvrir avec un linge et puis on va la laisser reposer pendant une demi-heure. Tac, Manu, tu veux aller te laver les mains? Non, regarde. On va laisser reposer pendant une petite demi-heure. D'accord? Bon, en fait, on va faire. Maman va préchauffer le four. Oh non! Ouais, si, pour faire les biscuits, il faut bien préchauffer le four. Mais là, on a fait. Et là, vous allez. Hop! Quoi? Étaler la pâte. Donc, on préchauffe le four à 200 degrés. C'est peut-être un peu abusé là, non? On va les sortir du four, puis on va les laisser refroidir et puis je pense que les petits viendront les déguster. Nom, nom. Nom, nom. Tu veux que... On met les petits biscuits dans la boîte. Super, la boîte à gâteaux est remplie. Étoile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Étoile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Pic, plac, tarima, la échauffe, la échauffe. Pic, plac, tarima, la échauffe, la échauffe. Pic, plac, tarima, la échauffe, la échauffe. Yeah, okay.